97 km/h, Audi TT, ancien modèle bleu, centre de tri. Notre chiffre du jour concerne le nombre d'automobilistes verbalisés dans la région d'Angers depuis le début de cette année pour des infractions diverses. Ils sont 13 000 contre seulement 1 600 à la même époque de l'an dernier. Le nombre croissant de contrôles étant en partie responsable de ce phénomène. Cet après-midi, aux abords de la Baumette, cet automobiliste originaire des Bouches-du-Rhône en a fait l'expérience. C'est une voiture neuve, je la découvre et je ne fais pas gaffe, j'appuie et... Ben, j'étais verbalisé à 107 km/h par rapport à 70. Cette conductrice devra payer 90 euros d'amende, mais échappe au retrait de points puisqu'elle a accepté de suivre un stage spécialisé. Il y a un relâchement, notamment sur les petites infractions, sur les grands dépassements de vitesse également, puisqu'on a constaté une hausse de plus d'un tiers de grands dépassements de vitesse. Et pas question de relâcher votre attention ce week-end, puisque de vendredi à lundi, la préfecture prévoit quelques 140 points de contrôle différents sur l'ensemble du département.